À la fin de 2019, une maladie mystérieuse a émergé dans une ville chinoise, frappant des milliers de vies et provoquant une vague d'inquiétude dans tout le pays. Quelques semaines plus tard, les scientifiques ont découvert son origine. Un virus similaire à celui qui avait déjà causé le syndrome respiratoire aigu sévère, la célèbre SARS, qui avait emporté la vie de nombreuses personnes dans le monde entier dans les années 2000. Comme une ombre silencieuse, ce nouveau virus s'est rapidement répandu dans le monde entier, infectant plus de 3 millions de personnes et en ôtant la vie de plus de 200 000 en à peine 6 mois. Face à cette pandémie dévastatrice, les médecins et les scientifiques se sont engagés sans relâche dans la recherche d'une solution, mobilisant des milliards de dollars de recherche à travers la planète. L'année 2020 restera sans doute marquée comme l'une des plus tragiques de l'histoire récente. La douleur des pertes irréparables a laissé des marques profondes dans la mémoire de tous. Et encore aujourd'hui, en 2023, nous avons du mal à croire à la dimension catastrophique de cette période. Certains ont l'impression que ça n'a été qu'un cauchemar prolongé. Cependant, il est important de souligner que bien que la pandémie de 2020 ait été dévastatrice, elle ne peut même pas être comparée à la plus grande pandémie de l'histoire de l'humanité. Dans cette vidéo, je vais vous révéler une pandémie qui s'avère beaucoup plus mortelle que le Covid-19. C'est une menace silencieuse qui plane depuis des siècles et qui, incroyablement, continue d'être présente dans nos vies et est souvent ignorée. Cette pandémie est sans doute celle qui afflige le plus l'humanité et peu de gens en ont conscience de son ampleur. Mais avant de plonger dans le sujet de cette vidéo, je vous demande de cliquer sur le bouton like et de faire ça maintenant pour ne pas oublier à la fin. Abonnez-vous aussi si vous ne l'avez pas encore fait et je profite pour remercier tous ceux et celles qui se sont abonnés et qui par la suite ont décidé de devenir des membres officiels de notre chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Que Dieu vous bénisse spécialement par votre générosité et sachez que votre soutien est très important pour nous. Maintenant, allons-y pour la vidéo. Vous devez être curieux de savoir quelle pandémie est pire que le coronavirus, comment s'est-elle propagée et comment peut-on la vaincre? Existe-t-il un traitement spécifique? Et avant de vous donner les réponses, je vais vous laisser quelques indices pour voir si vous pouvez deviner. Le premier indice, les actes irresponsables d'un couple ont provoqué cette pandémie. Le deuxième indice, après qu'elle se soit répandue dans le monde entier, il n'y a pas eu de quarantaine pour se protéger de cette maladie. Et même s'il y en avait eu, aucune quarantaine ne pourrait nous isoler de l'exposition à ce virus. Troisième indice, beaucoup prétendent avoir été testés négatifs pour ce virus, mais c'est impossible car tout le monde a été infecté. Quatrième indice, le taux de mortalité de ceux qui ont eu cette maladie par le passé et qui en présentent toujours les symptômes est de 100%. Et vous vous demandez probablement, mais quelle est cette maladie? Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas une maladie physique. En réalité, nous parlons d'une maladie spirituelle. Et pourquoi je compare le péché à une maladie? Parce que Jésus lui-même a dit qu'il était venu dans le monde pour les pécheurs, pour les guérir et les appeler à vivre l'éternité avec lui. Lisons ensemble ce qui est écrit dans le chapitre 2 de l'évangile de Marc. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec des collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, à changer d'attitude. » Revenons maintenant à l'épidémie de 2019. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Chine, il est très courant que les gens se nourrissent d'animaux exotiques tels que des rats, des scorpions et des chauves-souris par exemple. Et beaucoup croient que cette maladie est apparue après qu'un Chinois ait mangé une chauve-souris infectée, c'est-à-dire que cette pandémie, qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes dans le monde entier, pourrait avoir été causée par un seul homme. De la même manière, le péché qui s'est répandu sur la terre a infecté et tué spirituellement des millions de personnes et tout cela à cause d'un seul homme, Adam. Et remarquez dans ces deux cas que la mort n'est pas dans les plans de Dieu. Il ne l'a pas créée. Elle n'est qu'une conséquence d'un mauvais choix qui a été fait par quelqu'un. Mais pire que la mort physique causée par le nouveau coronavirus ou toute autre maladie, c'est la mort de l'esprit, car elle est ce qui nous sépare de la présence de Dieu et de l'éternité à ses côtés. Voyons ce que l'apôtre Paul a dit à ce sujet. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, ne négligez pas ce que Jésus a fait pour votre vie. Le monde est infecté par le pire virus de l'histoire, mais le Seigneur a préparé un remède pour vous et vous avez besoin d'être guéri. La pandémie a commencé et s'est terminée, mais vos péchés n'ont pas disparu et ils représentent toujours un danger et un problème pour votre vie, peu importe à quel point vous les ignorez. Je sais que beaucoup disent « Bon, vous savez, je suis une bonne personne, j'aide mon prochain, il n'y a aucune raison pour que Dieu ne me laisse pas entrer au paradis. » Mais la vérité est que nous ne sommes aucunement bons et il n'y a pas une seule personne qui n'a pas commis de péché dans sa vie. Le prophète Ésaïe a dit que nous sommes tous impurs et que même nos actes de justice sont comme des chiffons immondes. Alors si vous ne voulez pas subir les conséquences du virus du péché, cherchez le remède dès aujourd'hui, car demain, il pourrait être trop tard. Jésus a dit que celui qui ne croit pas en lui comme envoyé de Dieu pour le salut sera condamné éternellement. Malheureusement, en raison de l'amour pour le péché, la plupart des gens ont rejeté l'occasion offerte par Dieu d'échapper à la souffrance éternelle. Imaginons que vous étiez malade et que vous avez appelé un médecin qui est venu et vous a donné une ordonnance. Mais après avoir réfléchi à votre situation, vous avez décidé de ne pas suivre son aide et de ne pas prendre le médicament qu'il vous a donné. Ensuite, lorsque le médecin est revenu quelques jours plus tard, il vous a trouvé dans une situation bien pire. Maintenant, voici la question. Pouvez-vous blâmer le médecin? Pouvez-vous lui reprocher de ne pas vous avoir guéri? Eh bien non, il vous a donné l'ordonnance, il vous a prescrit le médicament, mais vous l'avez refusé. De la même manière, Dieu a présenté le remède pour les maux de l'humanité, et ce remède est la foi en Jésus-Christ et l'engagement envers lui et sa parole. Le remède est la nouvelle naissance, comme Jésus l'a dit. Et si nous refusons cela, nous devrons subir les conséquences et nous ne pourrons blâmer Dieu pour rien. Bien sûr, même après avoir Jésus dans nos vies, car nous vivons toujours dans un corps corrompu par le péché. Mais à mesure que nous permettons au Saint-Esprit de travailler en nous, nous serons transformés par le Père et nous deviendrons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, je veux faire une prière pour vous qui avez été touchés par ce message, pour vous qui reconnaissez que vous êtes contaminés par ce virus appelé le péché, et vous avez maintenant l'opportunité de remettre votre vie à Jésus et de lui demander de pardonner vos péchés. Amen. Alors si vous le pouvez, fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, je suis ici en ta présence maintenant pour te remercier pour un autre jour de vie. Car je crois que si je suis encore en vie, c'est parce que tu as eu un dessein pour ma vie. Mon Père, je crois que ces personnes qui entendent ce message ne l'entendent pas par hasard. Tu les as amenées ici. Et je te demande, mon Dieu, de pardonner leurs péchés maintenant. Elles confessent maintenant leurs fautes, elles demandent ta miséricorde, elles demandent à Jésus d'entrer dans leur vie. Et de même que tu as entré dans ma vie un jour, Seigneur, tu as pardonné mes péchés, tu as enlevé la culpabilité que j'avais et tu as effacé mon passé, c'est ce que je te demande maintenant. Mon Père, change l'histoire de chaque personne qui nous écoute aujourd'hui. Change l'histoire de tes enfants. Seigneur Jésus, pardonne nos péchés et éloigne-nous de tout le mal. Nous nous repentons de nos péchés. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons marché à notre manière, nous avons vécu la vie à notre façon, mais nous reconnaissons que nous nous dirigeons vers l'abîme. Alors Seigneur Jésus, viens nous sauver maintenant. Viens nous libérer du mal. Viens nous libérer de ce monde et du péché qui nous a contaminés. Jésus, je crois qu'en ce moment même, nous recevons le pardon par la foi et notre salut aussi par la foi. Car c'est par la grâce, ce n'est pas par notre mérite ou par les choses que nous avons accomplies. Et Jésus, nous te remercions déjà parce que tu es mort sur la croix à notre place. Nous ne méritons rien, mais tu nous as aimés et tu as donné ta vie en faveur de nous, des pécheurs. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie de tout mon cœur. Merci beaucoup Seigneur, Amen et gloire à Dieu. Mes frères et mes sœurs, si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis sur vos réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook. Aidez-nous à faire en sorte que ce message parvienne au plus grand nombre de personnes. N'oubliez pas de laisser votre commentaire, votre like. Et maintenant, choisissez l'une de ces deux vidéos que nous avons laissées en recommandation et regardez-la également. Je suis sûr qu'elles vont vous plaire. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo.